Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un colis bêta d'ailleurs, merde, un colis bêta non pas du tout, un colis spectateur donc sur le serveur officiel. D'ailleurs je suis désolé si j'ai dû upload cette vidéo un petit peu tard parce que j'étais un petit peu occupé. Donc voilà, enfin bon alors normalement cette vidéo devrait arriver dans les alentours de 17h30 au lieu de 14h. Du coup pour la deuxième vidéo je sais pas comment je vais faire. Attendez, hop, voilà donc. Les animations, c'est ok. Alors, je présente l'équipe rouge, évidemment, un Eka Flip, Yop, et un Yopette, putain. Deux Yop, un Eka, d'accord, la base. L'équipe bleue, Eka, Kra, et puis Zobal, donc. Donc, a priori. Ça picote, TS, ça va chier. Griff, Shit et Karona et Jack Error. Merci évidemment One Shot. One Shoot, One Shot. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de PM? Peut-être un bug. Oh, ça précise déjà, mais qui est-ce qu'ils font? Pourquoi ils précisent maintenant? Je crois qu'il avait. Da fuck. Ok, il y a un suicide. Bon, je vais essayer de trouver un autre colis parce que là, c'est triste. Bon, ça a déjà bien été entamé, mais des fois ça veut rien dire. Ouais, allez, pourquoi pas en 2v2, les gars. Non, 2v3 plutôt. Mais Feka Inu, j'en suis sûr, hein, ils vont peut-être pouvoir résister. Donc, la team bleue. Et Nu fait K. Les troisième personne n'est plus là. Et la team rouge, SRAM, EK, Sakri. Ouais, putain, Sakri, belle résistance. L'EK, non. L'EK, pas au petit. Fait K, 169, plutôt de belle résistance également. Et puis Nutrof, pas trop de résistance, mais en 12-6 a priori. Ouais, bon. En 2v3, les gars, bon, c'est parce qu'on est tour 6. J'ai l'impression qu'en face, ils ont pas pris trop de dégâts. Attends, vous me direz un Ekaflip, ça peut se soigner. Le Sacri également peut soigner. Hein, ça, c'est... Alors bon, le Feka, les gars, je sens que cette vidéo va durer extrêmement longtemps. Parce que quand on dit Feka en général, Feka. Attendez, il y a un bug. Bon, non, a priori, c'est dans le combat. Donc, Bedpan, Bistouflex. C'est quoi ce nom? Biro. Tsushikage, bon Tsushikage, voilà, petite dédicace à Naruto, un petit. Et puis les Kaflip Likenzi, donc. Et puis évidemment le chauffeur fou lancier, et la pelle animée. Donc, alors les Kaflip, a priori, il n'a absolument rien à faire, hein. C'est-à-dire qu'il a rien à faire d'autre que de tuer une pelle animée, les gars. What the fuck? Le Sacri qui est bloqué. La F4 qui a de bons boucliers a priori. Bouclier FK, non c'est tout, bouclier FK. Je pensais qu'il allait faire rempart, mais ce sera sans doute au prochain tour. Alors là les Nutrof qui va sans doute. Oulala, Dokoko, Likenzika, Dokoko. Bistouflex aussi. Bistouflex. Putain mais quel nom quoi. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah ça c'est bien joué. Mais bon, si le SRAM a en l'occurrence un vide autrui. En plus je pense ouais il va essayer de bouger. What? Peut-être qu'il pouvait pas bouger. Ouais je pense qu'il a un vide autrui. Ouais non même pas, bien joué de sa part, repérage. C'est dommage qu'il ait pas les deux là. Le sac plus les nus. Mais bon, c'est déjà pas mal, ça vaut de l'intel. En tout cas a priori un SRAM multi. Les gars, peut-être mon futur stuff qui tape terre, feu, air a priori. Enfin, air, je sais pas, peut-être il a mis son poison juste pour le fun, ça m'étonnerait. Mais oui, a priori, donc SRAM a priori multi-élément. Ah, il n'a pas d'érosion, donc voilà, alors là, ça c'était sûr. Rempart, les gars, c'est comme œil de taupe, c'est un sort qui devrait avoir un temps de relance beaucoup plus
large. Parce que franchement, le temps de relance actuellement, vous avez qu'un. En fait, il y a un seul tour où vous n'avez pas rempart. Et œil de taupe, vous avez un seul tour pour l'adversaire où il a sa portée. Un seul tour. C'est tout. Le reste, on s'en bat les couilles. Moins 6 PO. Rempart, c'est pareil. Le reste, la plupart du temps, c'est. On n'a pas rempart un tour après. Ensuite, on l'a pendant. Pendant beaucoup de temps. Salut. Salut. Tout court, voilà. Un petit salut. Ouais, rempart. En plus, franchement, rempart, c'est une zone, quoi. Oh là là. Mon dieu. Alors, a priori, la Sacri qui a 3 PA. Why not? Pourquoi pas, les gars? Par contre, il y a une trave qui va être mal là avec 0 PM. Bref, bon, après, c'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais c'est du 2v3, c'est vrai. C'est vrai que c'est du 2v3. De toute façon, elle avait 0 PM, enfin, même moins 94 PM. Par contre, là, ça commence à faire mal les glyphes répulsifs. Non, si, c'est glyphes répulsifs. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, en tout cas. Allez, allez, débuff de la nitrof. Franchement, j'adore la nitrof, quoi. Oh là là. Sorte de débuff en colis, c'est trop puissant. Pire, c'est qu'il me semble bon. Bon, c'est vrai qu'avant, c'était genre si on faisait un crit, eh bien, en gros, on avait une chance sur deux de débuff. En plus, c'était 1 sur 10 et c'est le truc, quoi. Mais il me semble que le coffre, ça débuff aussi. Le coffre, ça débuff. Non? Si, non, ça repère les invisibles, d'accord, mais ça débuff aussi, non? Non, bah non. Trop beau pour être vrai. Alors là, je pense que le SRAM va pulvériser le... Oh, what the... Putain, il arrête pas de spammer ses repérages, là. Au lieu de terminer les nutrophes. Il tape plutôt fort, 500, bon. 500 sur les nus, ça va. Mais moi, je sais pas, j'aurais peut-être pu double AM. Il aurait fait encore plus mal, mais bon. Tant qu'à taper les deux, j'ai envie de dire. Alors, les K-Flip qui est totalement useless. Franchement, les gars, c'est pas aussi sûr que ça comme combat. Hein, parce que le FK peut tanker, les Nutrof peut tanker, même s'il est bloqué. Les K-Flip, on sait pas ce qu'il fait. A priori, il est en train de. Bah, il joue à Dofus en fait. Hein, c'est-à-dire que. Les gars, voilà, il fait un petit peu n'importe quoi. Il fait ce qu'il veut dans le jeu. Et franchement, il a raison. Il a le droit. Voilà, donc, c'est exactement ce que je dis. Au lieu de venir là, de faire un. Esprit esprit félin. Non, c'est pas esprit félin. Mais si, c'est esprit félin le sort. Pas non plus abusé. Non, mais oui, c'est esprit félin. Le sort terre là qui permet de se déplacer également symétriquement. Il fait un coup d'esprit félin et puis voilà. Bah non, là il préfère booster PM dessus. Ouais, bon, ça reste quand même bien joué. Mais de là à faire un tour comme ça, mine de rien, ça va soigner tout de même. Là, je pense qu'il va sortir du glyphe et il va. Et il va peut-être bloquer. Il va peut-être bloquer la fée 4. Il y a des chances. Il y a des chances, il y a des chances, il y a des chances. En tout cas, franchement, superbe résistance. Oh là là, la vache. Ouais, bloquer la fée 4. Allez, détour. Ouh là, ouh, ouais, ouais, ouais. Ouais. Franchement, bien joué de la part, hein. De Bistouflex time. Franchement, énorme résistance, j'adhère. Vraiment. Ah. Chance, bon. Mais c'est pas énorme non plus. What? Ok. Il utilise un tour à faire ça. D'accord. Ouais, ça c'est plutôt bien joué. Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il lui restait plus beaucoup de PA. Mais il est dans la merde. Bah, double AM, est-ce qu'il a les Daguerri? Non, même pas. Ah ouais, bon bah ouais, c'est vrai, c'est vrai. La fée 4 qui tombe, ouais, Daguerri, je pense, non. Ouais, ouais, c'est ce que je disais. D'ailleurs, le SRAM qui a de belles résistances également. Là, je sais pas, il y a quelqu'un qui... Je sais pas trop ce qu'il dit. Là, il boive un petit peu dans Dofus, a priori. Tsuchikage, bon là qui, ouais, bon, clairement là les gars, combat plié, hein. Finalement, bon, bah c'est un petit peu dommage parce que les K-Flip étaient un petit peu useless depuis
Depuis deux tours, quoi. Il était là, il était dans son coin, il était en train de taper la pelle. Le SRAM, bah, je pense que le SRAM, limite, il a quasiment fait tout le combat. Puisque dans la mesure où vous bloquez un adversaire qui ne peut pas... bon, par exemple, qui ne peut pas s'échapper. En l'occurrence, Nenutroph, même s'il a chance pour se détacler un petit peu, c'est pas assez. Mais là, bon, on a pu voir que... Que finalement, c'est l'équipe... c'est l'équipe rouge qui a gagné, voilà, donc... Et le pire, c'est qu'à la fin, en fait, ils avaient quasiment toute leur vita. Et tout ça, en fait, en réalité, c'est grâce au Sacri qui avait d'énormes résistances, le SRAM également. Mais bon, un Ekaflip, bon, là, on peut voir que le Yop Ashiramakun était... Il était plus là dès que... Enfin, dès que j'avais lancé le combat. Enfin bon, voilà les gars, c'était Joystick. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Pour la deuxième vidéo du jour, je sais pas si elle arrivera aujourd'hui. Je sais pas si on aura une aujourd'hui, vu que celle-là, je vais la poster déjà en tant que deuxième vidéo du jour. En tout cas, bon, vous verrez ça de toute manière sur la chaîne. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, les gars.